Hey! Salut tout le monde, c'est Antalis. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le deuxième Pixel Lab. Aujourd'hui, Pixel Lab Bowls. En effet, on va en bouffer à toutes les sauces aujourd'hui. Alors, je vous explique le principe. Je vais vous expliquer, bon, déjà, dans un premier temps, comment on fait les bowls. Ensuite, je vous montrerai les recettes de chaque bowl en vous expliquant les spécificités de celle-ci. Bien, alors commençons par la base. La base, en effet, la base des bowls. Toutes les bowls se crafteront avec ce début de recette, à savoir donc, hop là, l'iron disc que, une fois crafté, vous mettrez ici. Hop là. Vous prenez ensuite votre magnifique marteau. Vous martèlerez sans pitié. Et une fois que ce sera bon, hein, une fois que ça aura une forme de bowl, vous ferez clic droit et hop, vous ferez sauter le truc, enfin la boule, et hop là, vous l'avez récupéré. Ça vous fait ainsi une Iron Base. Avec ça, nous allons prendre donc la Pokéball disque que vous crafterez donc ainsi, voilà. Et donc, ensuite, oh putain, con, vous allez écrabouiller votre eau de boule, vous ferez clic droit comme tout à l'heure, et hop là, vous avez deux parties de boule. Hop là, donc les deux parties. Et comme ça ne peut pas fonctionner, il va vous falloir un bouton. Voilà. Ainsi, alors normalement, vous pouvez faire ça sans table de craft, mais bon, vu qu'en créa. Non, raté. Hop là. Vu qu'en créatif. Non plus. C'est travail en français en plus. Non, c'est même pas travail. Mais bordel, comment ils appellent ça? Mon Dieu! Un bloc de construction, c'est même pas un bloc de construction, mais c'est pas grave, nous allons le trouver. Nous allons le trouver. Vous savez quoi? Hop, là je gagne mes mods. Wow, j'ai avoir des commandes, les amis, c'est incroyable. Mode. Wow, wow, mais je suis en forme aujourd'hui, hein. Voilà. Zéro, voilà. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vous embêtez pas, vous foutez ça comme ça. Vous foutez ça n'importe où, on va le foutre là. Vous voyez, la Pokéball avec la forme la plus improbable du monde. Et hop, et oh, miracle, ça vous fait quand même une Pokéball. Voilà. Pokéball, clic droit, ça la balance, ça capture. Si vous avez de la chance. Et justement, en parlant de chance, nous allons parler des taux de capture, les amis. Donc hop, on va repasser en créatif. Donc la Pokéball a un taux de capture x1. Voilà, tout simplement. C'est la balle de base. On va baser nos calculs dessus. Donc la Pokéball capture à 1. Voilà. Les chances de capture sont multipliées par 1, tout simplement. La Super Ball qui se craft avec deux bleus et une rouge. La Super Ball a une chance, enfin multiplie un petit peu, enfin augmente un petit peu par rapport à la Pokéball. Il y a 1,5% de chance, enfin ça augmente par 1,5. On va juste parler de 1,5, 2, parce que si je dois parler de pourcentage en plus, ça va foutre le bordel. Donc nous en fait c'est 150% de capture. Voilà. Donc là, Hyper Bowl, donc que vous voyez ainsi, hein, magnifique craft. D'ailleurs, hop, toi, casse-toi, t'es moche. Donc la Hyper Bowl, elle capture en x2, enfin, se multiplie les chances par 2. Donc des 3 balles de base, c'est la meilleure. Voilà. Alors là, cette bowl très intéressante est de la Level Bowl. Donc celle-ci est très spéciale. En effet, elle capture x2 si. Votre Pokémon a un niveau plus élevé, mais elle capture en x4 si votre Pokémon a 2 niveaux de plus. Et ensuite, c'est x8 si votre Pokémon a 4 niveaux de plus. Voilà, vous voyez, c'est franchement énorme. Si par exemple, si vous affrontez un Rattata level 3, que vous l'affrontez avec votre Pokémon, n'importe quoi, un Pikachu level 4, vous aurez chance de capture x2. Si votre Pikachu est level 5, oui. C'est ça. Vous aurez 4, la chance de capture x4. Et sinon, si votre Pikachu, oui, Pikachu est level 4 niveaux, j'avais dit quoi? 3 au départ. Donc si votre Pikachu est level 7, et ben ça fait capture x8. Voilà, donc super intéressant si vous affrontez avec quelques levels de plus. Après, évitez de l'utiliser à level égal, parce que sinon ben, ça a le taux de capture d'une Pokéball. C'est un peu du gâchis. Ceci est la Moon Ball. Alors la Moon Ball est très spéciale parce que, enfin bon, toutes les boules qu'on va voir de toute façon seront spéciales. Donc la Moon Ball en fait n'est efficace que sur les Pokémon qui évoluent grâce à des pierres lunes. Alors pierres lunes, il y a Mélofée, il y a Rondoudou, il y a enfin d'actuellement implanté Mélofée, Rondoudou et je Nidokine, non, Nidorino, Nidorina.
Et je pense que c'est tout. Donc voilà, donc ça capture en... Ah, quand même, en x4, ce qui est très bien. Ceci est la Friend Ball. Alors, je vous le dis, si vous voulez un Evoli, enfin un Mentali, pardon, ou un Octali, capturez plutôt vos Evoli avec des Friend Ball. En effet, la Friend Ball a la particularité très sympa de rendre votre Pokémon directement amical, ce qui fait que vous n'aurez plus qu'à faire passer un level à votre Pokémon pour qu'il décide d'évoluer. Je vous rappelle que les Pokémon qui évoluent par amitié évoluent à 230 d'amitié et qu'on voit l'amitié ici, clic droit, stat, happiness ici, voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Ensuite, passons à la suivante. Il s'agit de la Love Ball. Comme vous l'avez remarqué, alors celle-ci, elle est complètement pétée. Je ne pensais pas que, elle était aussi abusée. En effet, elle capture en x8 si le Pokémon est du sexe opposé à votre Pokémon au combat. Et là, vous allez dire, bah oui, bah et alors, si Schap slash Pokégive, parce que j'ai voulu vérifier juste avant, Rayquaza. Rayquaza. Oui, parce que Rayquaza. Oui, d'ailleurs, je ne m'appelle pas Rayquaza, pour information. Moi, c'est Mentalis. Mentalis, non. Mentali Rayquaza, non, c'est pas moi. Moi, c'est Mentalis, et je me veux un Rayquaza. Et vous remarquerez tout de suite que le Rayquaza est femelle. Donc, ça veut dire, les amis, que si vous attaquez avec un Mentali, et que vous... un Mentali, pardon, enfin, avec mon Mentali mâle, et... que je tombe donc sur n'importe quel légendaire, tous les légendaires seront obligatoirement de type femelle. Vous voyez l'abus? En gros, si vous partez à la recherche d'un légendaire et que vous n'avez pas de Master Ball, choisissez la Love Ball et un Pokémon mâle. Voilà, sinon par contre, si c'est même ça que c'est level, c'est fois 1. Ensuite, la Safari Ball a un taux de capture de 1,5. Enfin, non, un taux de capture. Non, un taux c'est un pourcentage, donc multipliez les chances de capture par 1,5. Voilà. Ceci est la Heavy Ball. Alors, la Heavy Ball, il n'y a pas de taux fixe, tout simplement parce que plus le Pokémon est lourd, plus les chances de capture augmentent. Par exemple, tentez de capturer un Beaudrill avec ça, il va tout de suite péter la Ball. Vous pouvez, je dis pas que vous pouvez pas le capturer avec, mais en gros, ça va être très chaud. Par contre, essayez de choper, je sais pas, un Onix avec ça ou un Rhinophéros, là, le pauvre bête va avoir du mal à s'en sortir. Alors, la Fast Ball. C'est la Rapid Ball en français. Donc, si vous l'en lancez en début de combat, les chances de capture sont x4. Après 5 tours, c'est x3. Après 10 tours, c'est x2. Et sinon, après 15 tours, c'est x1. Donc voilà, donc préférez l'utiliser en début de combat. La Baseball. Enfin, la Rapid Ball plutôt. Donc, si vous avez déjà capturé le Pokémon. Donc, que vous l'avez déjà dans votre Pokédex, que vous l'avez déjà dans votre boîte ou sur vous, enfin bref, que vous l'avez déjà capturé à un moment ou à un autre, les chances de capture sont x3, ce qui est assez intéressant. Et sinon, la plupart du temps, c'est en x1. Ensuite, ici, nous avons la Timer Ball, aussi appelée Chrono Ball. Alors, là, ça va être un peu compliqué. Écoutez bien, essayez de suivre. Donc, si le nombre de tours est entre 1 et 9, donc avant les 9, 10 premiers tours de combat, voilà, les chances de capture restent en x1. Si c'est entre les tours 10 et 19, les chances de capture sont x2. Si c'est entre les tours 20 et 29, c'est x3. Et à partir de 30 et infini, c'est x4. N'oubliez pas. Ensuite, nous avons la... Nest Ball, qui fait donc, enfin c'est à faible ball en français. Donc, si le Pokémon, enfin si le niveau du Pokémon est entre 1 et 19, le Pokémon en face, donc ça fait le taux, enfin les chances de capture x3. S'il est entre 20 et 29, c'est x2, et sinon c'est x1. Donc en gros, à utiliser sur les Pokémon bas level, style l'ami Meteral, pas Metang, non. Ensuite, ici, nous avons la Net Ball. Donc, c'est très simple. C'est une ball qui fonctionne super bien sur les Pokémon de type eau et insecte. Pardon, en gros, le taux de capture est x3. Enfin, les chances de capture. Excusez-moi. Sinon, pour les autres Pokémon, c'est x1. La Scuba Ball. Alors, si le combat a lieu sous l'eau, les chances sont augmentées par 3,5. Enfin, sont multipliées par 3,5. Sinon, la plupart du temps, c'est une ball qui est à 1. Voilà.
Ici, nous avons la Luxury Ball, qui a le taux de capture de la Pokéball. C'est juste une Pokéball, mais colorée. Voilà. La Heal Ball, alors elle est complètement buggée avec le mode parce qu'elle ne sert strictement à rien. En effet, elle soigne le Pokémon quand vous le capturez. Chance de capture d'une Pokéball normale, donc x1. Mais donc, ça soigne le Pokémon quand vous le capturez. Sauf que toutes les balls ont cet effet. Je vous montrerai ça. Non, je vous montrerai pas ça. Quoique si, je peux vous montrer ça. Attendez, bougez pas. Nous allons nous giver une Master Ball. Hop là. Nous allons faire spawner. Hop là, en même temps ça me permet de faire slash Pokéspawn. Je sais pas, on va faire ben, un Espeon. Level 100. Voilà. Hey ma... Olé, pourquoi t'es level 39 monsieur? Ah non non. Qu'est-ce que j'écris level 100? Non, LVL 100, pardon, excusez-moi, je suis fatigué, voilà. Et donc, oh là là, en plus c'est gros. Non, voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, les amis. Oh, j'attaque avec Rayquaza. Je suis un ouf. On va lui flayer la gueule. S'il nous one-shot pas. Voilà. Hop là. Donc tu fails. Et voilà. Donc voilà. Donc là, il est affaibli. Bag, Pokéball, Master Ball. Je vais pas la capturer avec une Pokéball. C'est juste pour gagner du temps, les amis. Hein. Hop là. Oui, on sait que t'es capturé. Hein, pas à peine de faire semblant. Non mais on le sait que t'es dans ma balle là, c'est arrête d'essayer de faire du cinéma, voilà. Hop là. Et donc vous voyez que le Mentali a été entièrement soigné. Hein. Il est derrière, regardez, hop là, il est complètement soigné, il a récupéré toute sa vie, donc voilà. Donc la Heal Ball ne sert strictement à rien. Juste à côté, vous voyez la Dusk Ball. Donc, c'est simple, c'est une balle qui fonctionne de nuit, comme maintenant, ou dans les grottes. Elle a un taux de cap. Enfin, elle augmente les chances de. Enfin, elle multiplie les chances de capture par 4 quand c'est le cas, quand il fait nuit ou quand vous êtes dans une grotte. Et sinon, la plupart du temps, elle reste à x1. Bon, je vais arrêter de dire x1 parce que vous en doutez en fait. Attention, vous voyez cette ball? Bah, c'est une Pokéball en blanc. Voilà, donc c'est la première ball en anglais. Sinon, c'est la Honor Ball. Voilà, en français, hein. Et donc enfin la Master Ball, alors si je l'ai mise là c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas de recette, elle a un taux de capture de 255 en gros. Si vous vous chiez la capture, c'est que vous avez visé à côté en envoyant la ball. Voilà. Donc c'est tout pour les Pokéballs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Tiens, qu'est-ce qu'il fout là toi? Ouais, crève. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Normalement, je vous ai tout dit pour ce qui est des recettes. Je ne vous parlerai pas de la trade machine qui ne concerne que le multijoueur. Et sinon, en attendant les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, la commenter, la partager. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que les vidéos vous plaisent. Le rythme des Pixel Lab sera d'un tous les 15 jours. Donc le samedi, quand Strone ne postera pas de vidéo, ce sera un Pixel Lab. Le prochain Pixel Lab portera sans aucun doute sur les fossiles. Et donc moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Ah oui, au fait, il y aura la map dans la description.